Bembe kwanani nyani yon wo die te kwandi fori bene ya dawa. Mais Valérie, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Et en plus tu as le plantain à main. Ah, le bon plantain. Quand... Mais moi à voir, c'est comme tous les plantains. Hein? Quand tu manges la qualité de plantain, si. Aïe! Ça m'excite! Et même ça. Mingli plantain là que vous dérangez avec ici dehors. Mingli plantain là que vous dérangez avec ici dehors. Valérie, nous sommes encore toujours sur la même longueur d'onde. Moi, ça me dépasse. Bon, le but, toi-même, viens aussi, essaie un peu de nous expliquer aussi cette affaire-ci. Mais, Bic, apparemment, tu es de mauvaise humeur. Pardon, donne-nous seulement ta part d'avis, s'il te plaît. J'ai ménagé, j'avais les déchets. Hein? Quoi? Je vois, pour ce jour, le Bic, il est incontrôlable. Bon, dans tous les cas, il n'y a pas deux cas. Grand P, on peut commencer. Salut encore. Bienvenue encore sur notre édition des Tolis du Quad. Oui, c'est les Tolis du Quad. Comme je le dis toujours à l'accoutumée, pour celui qui veut mettre ses organes là, pardon, qui passe seulement comme un taxi plein. Parce que à ce qui concerne les retours là, non, les retours ça ne me concerne jamais. Ça ne me concerne, ça ne me regarde même pas. Oh. Parce que les gens de commentaires qu'on tape, c'est les commentaires toujours des manchum ton quartier. Oui, des manchum ton quartier. Comme je le dis, c'est pour les quartiers difficiles. Donc, les gens de commentaires qu'on tape dans les bas-fonds, dans les quartiers difficiles là, ce genre de commentaires qu'on tape ici là. Aujourd'hui, cela. Laura Kameni, elle a tant parlé de sa famille, du vampirisme et montée des scènes. Aujourd'hui, cela, la mère, la soeur, ils sont sortis de leur silence. Vous m'écoutez, on dit telle mère, telle fille. La poule n'a plus jamais le canard. Vous m'écoutez jusqu'à la fin. Venez. Avant de commencer, toi qui es nouveau là, abonne-toi et tu partages pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mais toi qui es ancien là, partage seulement et puis tu like. Ma fille que vous voyez, ma fille, c'est le fruit de mes entrailles. Bien joué. C'est le fruit de mes entrailles. Et elle n'est pas ma fille unique. Donc tout ce qu'elle a dit sur moi, que je suis une sorcière, je suis ceci, je suis cela, là. De quoi vous vous mêlez? Dans notre famille, on est comme ça. D'accord? On est comme ça. La voyance que l'or vous fait tous les jours là, elle est sortie de mon ventre avec cette voyance. L'or est sortie de mon ventre avec cette voyance. C'est à moi qu'elle ressemble. Elle a même commencé à faire ces pratiques là un peu tard. Mais si je vous raconte tout ce qu'elle voyait quand elle était bébé, vous n'allez pas me croire. Je vais appeler sa petite soeur ici, sa petite soeur qui est en Belgique, que vous entendez souvent parler là. L'autre fille de papa Mi. Elle va venir vous raconter. Fio! Fio! Maman! Viens! Dis bonjour. Bonjour aux abonnés de ma mère. Donc, je suis en train de parler d'ici parce que tu vois que sur les réseaux sociaux, les gens sont en train de penser que ta grande soeur raconte n'importe quoi. Alors que ta grande soeur, c'est quand même une star. Hein? Tu es fâchée? Maman, je ne suis pas d'accord avec toi. Elle est comme toi, non? Elle est comme toi. Vous êtes de mèche. Vous ressemblez. Maman, je ne suis pas d'accord. Je profite même de ce fait pour parler à ta fille. Laure, tu es ma soeur et tu sais que je t'aime. Arrête de parler de mon nom à mal sur les réseaux sociaux. Arrête de parler mal de moi, Laure. On est une famille. Jodi, attends un peu. Est-ce que je t'ai fait venir ici pour mal parler de Laure Kameni? Faut respecter ta soeur aînée, hein? Tu as compris? Il faut respecter ta sœur aînée, hein. Présente-lui ses excuses. Maman, je lui présente les excuses et je l'ai manqué le respect. Je n'ai pas manqué le respect. Qu'elle arrête de parler mal de moi sur les réseaux sociaux. On ne détruit pas sa famille comme ça. Elle est en train de nous détruire. Je comprends bien, tu l'aimes beaucoup. Parce qu'elle est comme toi. Elle nous est de mèche. Vous êtes de mèche, maman. Elle est comme toi. C'est ta fille, non? Elle te ressemble. Je ne sais même pas à qui je ressemble. Non, arrête de parler en mal de moi sur les réseaux sociaux. Tu viens mettre, tu viens inventer des histoires. Maman, et tu la supportes. Mon monsieur. Et tu la supportes, maman. Je la supporte parce que c'est mon enfant. C'est mon enfant. Et moi, je ne suis pas ta fille. Est-ce que je suis pas ton enfant aussi? C'est aujourd'hui que tu sais qu'elle est voyante. Elle est voyante, mais elle vient saboter mon nom sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sa soeur aussi. Je ne suis pas ta fille, maman. Est-ce que tout ce qu'elle raconte sur les réseaux sociaux là ne se réalise pas? Hein? Dites-moi quelque chose qu'elle a raconté sur les réseaux sociaux qui ne s'est pas réalisé.
Donc maman, je suis sorcière. Donc, elle vient sur les réseaux sociaux que je suis sorcière. Elle vient mentir sur moi sur les réseaux sociaux. Et tu es en train de me dire que tout ce que ma soeur fait sur les réseaux sociaux est bien, maman. Ok. J'accepte. Vous avez déjà décidé de me vendre en verdure populaire. Je vous laisse. Vendez-moi mon chien, ma chère. Eh, pardon, pardon. Moi, je t'ai fait venir de la Belgique. Je ne t'ai pas fait venir ici pour que tu viennes me critiquer l'enfant. Hein. Laure Kamini, elle ressemble à sa mère. Tu as compris? C'est pas parce qu'elle a parlé de moi, les gens commencent à dire que oh, elle parle de sa mère, maman, elle a aucun respect pour sa mère et tout. Elle a un respect pour moi. Je vois, maman. Ma fille me respecte. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça avec quelle oreille? Ma fille me respecte. Je ne suis pas du genre, on n'est pas dans une famille où les gens se... On ne cache pas notre façon de vivre. Hein? La voyance, le don de voyance qu'elle a, elle est sortie de mon ventre avec ça. Elle est sortie du ventre avec ça. Voilà sa petite soeur ici, elle peut témoigner. Maman, je peux te poser une question. Pose-moi la question. Pourquoi moi je n'ai pas la même voyance que vous alors? Mais tu n'as pas la même voyance parce que quand les enfants viennent au monde, il y a des enfants un peu plus chanceux que d'autres. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Comment? Je comprends pourquoi. Il faut que tu te réconcilies avec ta soeur. Jamais. Ça, jamais. Avec ce qu'elle a fait de moi, maman. Ah non, non, non. Maman, jamais. Elle doit me demander pardon. Tu sais aujourd'hui ce que j'endure dans mon entourage. Hey! Tout le monde me traite. Même mon entourage me fuit. Mon propre mari dans la maison déjà, il m'évite. Parce qu'il est en train de croire, vu que c'est mon propre sang qui parle de moi. Même mon mari doute déjà de qui je suis, maman. Même mes propres enfants me regardent en mal. Les enfants me posent la question tous les jours. Maman, est-ce que ce que la tante dit est vrai? Maman, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas lui demander pardon. Ça aide de prononcer ses excuses. Et en plus, sur sa page, sur Facebook, là où elle a commencé. Je veux lui demander des excuses que j'ai fait quoi? Tu as quoi caché? Tu te fâches? Est-ce qu'elle a dit quelque chose de mal? Maman, tu n'as pas suivi peut-être toutes ces directs alors, hein? Mais j'ai tout suivi, moi je suis ma fille, je la suis de A à Z. Moi je suis au courant de tout ce qu'elle dit, même de tout ce qu'elle a dit de moi. Donc maman, ce que tu elle a dit de moi est vrai. Mais est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Dans notre famille, on est tous un peu sorciers. Est-ce que c'est un secret? C'est un secret pour moi alors. Ma sorcellerie peut-être c'est un bien, j'ai jamais rien fait de mal à quelqu'un avec... Il y a la sorcellerie positive. J'ai jamais rien de... Moi, je sais que la sorcellerie veut dire que tu fais du mal aux gens. Moi, j'ai jamais fait du mal à quelqu'un, maman. J'ai jamais fait du mal. Quand tu partais souvent voler les morceaux de viande chez Maja, là, c'était quoi? C'était quoi? Mais maman, c'est pas la sorcellerie, c'est l'enfantillage. C'est l'enfantillage, c'est la sorcellerie. Tu as fait que son mari quitte le foyer parce que tu venais mettre des manquements dans leur marmite. Quand tu étais petite. Hé, maman, je comprends que tu es restée à l'entrée de temps, hein, maman. Non, c'est ça que tu dis quand ta famille sont tous les sorciers comme ça. Tu es restée derrière. Hé, maman, on est en 2023. Non, non, reconcilie-toi.